4 juillet 1776 marque l'accession des États-Unis d'Amérique à la souveraineté internationale. Les Américains vivant au Tchad étaient aux côtés de leur ambassadeur Guetta Passy pour marquer d'un cachet particulier le 242e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Le gouvernement tchadien a été représenté à cet effet par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora Haïti Salé Daman. L'exécution de la tchadienne de l'hymne des États-Unis d'Amérique et la présentation de l'étendard ont constitué le temps fort de l'événement. Après avoir salué la mobilisation des invités, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rappelé les domaines de coopération au Tchad, notamment l'assistance humanitaire et sociale, la protection de la faune et de la flore, la formation et le renforcement des capacités des institutions. La sécurité occupe une bonne place dans cette coopération. L'engagement américain au Tchad vise à y promouvoir un avenir pacifique, prospère et respectueux de la dignité fondamentale de tous. Cet engagement américain est multiforme. J'ai choisi de vous le présenter autour de trois axes principaux: aide humanitaire, résilience des populations et sécurité et développement. Nous considérons que la sécurité est une condition préalable essentielle au développement. Tout comme les États-Unis, pour assurer la sécurité des autres, le Tchad est un pays qui envoie ses militaires à l'étranger. Ces personnes en paient parfois le prix ultime. Pour l'ambassadeur Guetta Passy, la coopération entre les deux pays est excellente et se renforce davantage.